Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment insérer un bouton de partage grâce au plugin WP Shortcode qui est disponible dans tous les thèmes premium de la plateforme MyThemeShop. Donc là, je le fais sur une page, comme vous pouvez le voir ici, mais c'est valable également sur les articles. Donc, on va dire que je souhaite installer un bouton sous cette phrase-là. Donc, pour ce faire, il suffit de placer le curseur à l'endroit où je souhaite mettre le bouton. Et ensuite, je vais cliquer sur Add Custom Shortcode. Et donc là, on vous dit de sélectionner un shortcode. Donc, vous cliquez sur la liste déroulante et vous voyez que donc les boutons ce sont parmi les premiers. Donc, vous avez la possibilité de mettre un bouton brun, bleu, vert, rouge, blanc, jaune. Donc, bah, hop, on va prendre le bleu. Donc, URL, bah, vous mettez tout simplement l'URL de destination lorsque les visiteurs vont cliquer sur le lien. Voilà. Donc, target, c'est la cible. Donc, self, c'est-à-dire que le lien va s'ouvrir dans la même page. Et sinon, vous mettez blank pour que ça s'ouvre dans une autre page. Ensuite, la position, donc, c'est soit gauche, donc gauche, c'est left, centre, center, ou droite, right. Et ensuite, le texte du bouton. Donc, je vais mettre mon bouton, mais bon, vous mettez le texte que vous souhaitez. Et donc, automatiquement, ça se transforme en shortcode. Donc, on va enregistrer notre brouillon. Nous allons voir le résultat. Et après, je vais vous montrer comment modifier éventuellement. Donc, vous voyez votre bouton. Bon, le bleu, il n'est pas forcément des plus heureux. Après, bon, ça, c'est question de goût. Et puis, ça dépend surtout de votre thème. Et donc vous voyez qu'on a bien un bouton qui est centré sous cette phrase-là. Et si je clique dessus, on voit bien arriver sur le site 08 web que j'ai paramétré en lien. Donc je vous disais qu'on pouvait modifier le bouton. Donc soit vous recommencez l'opération à zéro, donc en cliquant à nouveau sur le bouton plus, vous sélectionnez votre shortcode et vous le paramétrez. Donc ça, je vous ai montré comment faire, donc on va pas le refaire. Ou alors, vous avez la possibilité, ben, simplement de modifier les données dans le shortcode ici. Donc, si vous voulez modifier l'URL du site, par exemple, si vous avez fait une erreur, si vous voulez, par exemple, vous avez oublié le www, hop, vous l'ajoutez ici. Si la cible, vous voulez que finalement ça soit la même page, donc vous remplacez blank par self. Et si vous voulez que le bouton apparaisse à gauche au lieu du centre, donc vous mettez left. Si vous voulez modifier donc votre texte, on va ajouter mon beau bouton, voilà. Et enfin, vous pouvez modifier la couleur, donc on va le mettre en rouge. Et donc, on enregistre notre brouillon. Et donc, maintenant, on va voir les modifications. Ah. Qu'ai-je fait comme erreur? Ah oui, forcément, si je ne mets pas le changement de couleur ici. C'est bien que j'ai fait l'erreur devant vous, parce que sinon, si vous aviez eu la même erreur, c'est pas sûr que vous auriez trouvé. Et donc vous voyez qu'on a bien notre bouton à gauche, il est bien devenu rouge. Le comment? Son nom a changé. Si on clique dessus, voilà. Et donc voilà. Donc si vous voulez faire des modifications, vous voyez comment faire. Eh bien écoutez, je vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao!